Tom King, go in. President, please be seated. The chamber is back in session. Can I give the floor to the Defense Counsel for Nuon Chiet to continue putting questions? Le président, but I would like to remind you that you have used 90 minutes already. There is 30 minutes left for your teams and the Defense Counsel for Khieu Somphan team. Pour votre équipe et celle de Khieu Somphan. Good afternoon again. Mr. Witness, bonjour. I have some more questions une that I would like to put to you. Monsieur le témoin, let me start about j'ai quelques questions supplémentaires a different new subject. À vous poser, passons à un sujet complètement nouveau. Your WRI E3/7639, English year N00162739. Khmer 00162715 French 0033 8083. You talk about a rape d'un viol. A rape of a prisoner. Viol d'une prisonnière. You said, one medic vous avez dit raped un infirmier a violé une prisonnière. Saying that to the investigators? Vous souvenez-vous l'avoir dit aux enquêteurs? Yes, I told the investigator that. Réponse. Oui, je l'ai dit aux enquêteurs. President, Mr. Witness, please wait until the microphone tips turn red. Que le microphone soit allumé. Or you can adjust the position of the microphone. Vous pouvez ajuster la position de votre micro. Witness. Yes, I told the investigator. Oui, je l'ai dit aux enquêteurs. The person who raped was the medic. He c'est raped le the prisoner. Infirmier qui a perpétré le viol do you sur la prisonnière. What his name was? Do question, you remember vous who souvenez-vous the was? De son nom? And do you know what happened to the medic? De l'identité de la prisonnière? Qu'est-il arrivé à l'infirmier? A-t-il été puni? I cannot recall his name. Réponse. Je ne me souviens pas de son nom. And I cannot also recall the name of the victim. Ni de celui de la victime. Later on, the medic was imprisoned Par and suite, he was executed. L'infirmier a été emprisonné puis exécuté. He was Question. Executed because of his Il a été exécuté involvement in the rape of this prisoner. À cause de son l'implication dans le viol de cette prisonnière. Yes. Réponse oui. Thank you. La in défense, your merci. WRI, dans votre again, E3/7639, this time English ERN 00162735, French 00033 8 0 7 8 0 7 8 and Khmer 00162712. You speak about vous parlez. Photographing to journalists, maybe Cuban, maybe Russian. Photographier des journalistes, soit cubains ou russes. Is that something you recall vous souvenez-vous having testified to the investigators d'avoir of the dit cela aux enquêteurs du bureau des juges d'instruction? Yes, I took photos Réponse. Of two journalists. Oui. J'ai fait des photos I do not know de journalistes. Whether they were from Cuba Je ne sais or pas Russia. S'ils venaient de Cuba ou de la Russie. But they had one camera with them. Mais ils avaient avec eux un appareil photo. It was either Fanta or Canon. C'était une soit un Canon, soit un Fanta. In your WI, you speak about a Pentax. Dans votre pédiaudition, vous parlez d'un Pentax, d'un appareil photo de marque allemande. Pourquoi avez-vous dû examiner cet appareil photo?
qui vous a donné cette instruction et pourquoi? When they were brought in, I was called to take their photos. Lorsqu'on les amenait, on m'a appelé pour que je les photographie. I knew that the camera was Pentax, made in Germany. L'appareil photo était un Pentax de marque allemande. Undoubtedly, this afternoon, the prosecution will ask you about sans nul doute, cet après-midi, le procureur vous posera des questions sur les photographies des enfants. Same page of your WRI, à la même page de votre PV d'audition, celui que je viens de citer, vous avez dit n'avoir jamais pris d'enfants en photo. Is that correct? Est-ce exact? I never took photos of children. Réponse. Je n'ai jamais fait de photos d'enfants. When they were brought in small number, I rarely went to take photos. Only when large numbers of people were brought in that je I was called to take photos. Que lorsqu'un nombre important de prisonniers arrivait, et non lorsque les prisonniers arrivaient en petite quantité, en petit nombre. La défense, je le comprends. You were the main person responsible for developing the negatives vous étiez of those le principal photos. Responsable du développement des négatifs. I realize that thousands of negatives je réalise que were des developed. Milliers de négatifs ont été développés. But do you recall ever having seen mais vous souvenez-vous children avoir jamais vu on those negatives? Des enfants sur ces négatifs. There were too many photos réponse. Beyond my il y avait recollection. Trop de photos. Je ne puis I really saw, me souvenir the big number de of toutes children. Ces photos. J'ai tout simplement vu un nombre important d'enfants. So while developing photos, you do remember seeing question. In rare occasions, pendant le développement photos of children, des photos, are vous you able to avoir rarement vu somehow, des enfants. Attribute a percentage, pouvez-vous nous donner un pourcentage in terms of how many children you developed, how many negatives with children on it you developed in terms of the total amount of combien photos? De négatifs d'enfants vous avez développé sur le nombre total de photos? Based on my estimate, réponse, only about 10% of them. D'après mes estimations, c'est seulement 10% des photos. Would it be possible that it la défense. Would be between 1.5 and 2%? Est-ce possible que ce soit entre 1,5 et 2%? President, Deputy Co-Prosecutor, you may have the floor. L'accusation a la parole. Thank you, Mr. President. L'accusation, merci, he asked président. The question. The witness gave him an il a posé une question. Estimate. He doesn't like le the answer. A donné now he's une estimation. Trying to lead il n'aime the witness pas with his own la réponse. Number. Et maintenant, it's il veut question. Diriger le témoin en lui faisant ses propres positions. La question est orientée. Juge Frenz. S'il y a une base pour ce pourcentage well, we que vous avancez, faites-le. And, la défense. I'm allowed to ask a leading question after having asked an open question après first. Avoir posé une question but, ouverte, je suis autorisé à poser une question orientée. Is it possible that your percentage of 10 témoin, be a little bit high? Est-ce possible que votre pourcentage more, de 10 or 2 on every 100? Est un peu élevé et qu'il et que sur 100 photos il puisse c'est plutôt un pourcentage I de 1 à 2%. Saw them during developing the negatives, but not during the developing réponse, the photos. Je les ai vus lors du they développement des négatifs. Brought in with their parents. Mais lors de la prise de photos, ils arrivaient avec leurs parents. Yeah. But I did not see their numbers in hundreds. Mais je n'ai pas vu qu'ils étaient au they were nombre d'une in centaine. The number between 5 and 10
children. C'était entre 5 et 10 enfants. Do you recall ever seeing these children back at Presar when you were there? Avez-vous revu ces enfants à Presar lorsque vous vous y êtes rendu? I never saw them there. Réponse: non. Perhaps they were with the female units. Peut-être qu'ils étaient avec the male unit, des femmes. I never saw them mingling des with them. Je n'ai jamais vu. At Presar, there were two units, the male one and the female one. Il y avait deux unités, l'unité des hommes et des femmes. Thank you. Now let me move on la to défense, merci. Some questions in regards the Passons. Other cadres working at S21. À des questions portant sur les autres cadres travaillant à S21. On a brièvement parlé de Duyck. In your WRIs, vous avez également parlé times, dans votre PV d'audition à une ou deux reprises de Hor, le numéro 2 de S21. Vous rappelez-vous de Hor? Yes, I can recall. Réponse him. Oui. And what is it that you can recall about him? La défense. Que vous souvenez-vous à propos de lui? When I was at S21, réponse. Hor was the deputy Lorsque chief. À S21, Hor était l'adjoint. Hor has one eye blind. Il était borgne. When the Vietnamese entered the country, Lorsque les Vietnamiens we escaped to sont the mountain. Dans le pays, nous avons fui dans les montagnes. And Hor and Duyck at that mountain, they were not à get along montagne, with each other well. Hor et Duyck ne s'entendaient pas bien. Do you know anything about the division La défense, of savez-vous tasks quoi que ce soit and responsibilities au sujet de la division des tâches Duyck et des responsabilités hand, entre Duyck d'une part et Hor d'autre part? At that time, I did not pay attention to their roles. Je n'ai pas prêté attention à leur I rôle. Only received their order. Je recevais tout simplement leurs ordres. For the, any affairs beyond that, it was between them and the National Ministry of National Defense. En dehors de cela, toutes les autres affaires relevaient d'eux et du ministère de la Défense nationale. I heard Duyck call Takong Takong, and based on my some of my own research, Takong maybe Sun Sen. Et d'après mes propres recherches, il semblerait que Takong soit Sun Sen. Let me read to you. La défense. A few excerpts Je vais vous donner lecture de quelques Duyck's extraits testimony, de la déposition de Duyck. About the division of tasks and responsibilities. Sur la division des tâches et des responsabilités between him and Hor. Entre lui et Hor. I will read two or three. Je vais donner three or four relatively short quotes. De trois ou quatre courtes citations. Quotes that he all confirmed a few months ago qu'il in this courtroom. A tout confirmé il y a quelques mois dans ce prétoire. Let me to make it a little bit understandable. First, read the quotes, and then I will give you all Je vais the excerpts. Lire les citations. Mr. President, if you allow me. Et je donnerai les extraits par so la suite. So Duyck said about Hor that quote, I only took personal charge of important detainees. Je m'occupais tout For simplement the others, des détenus importants. It was Hor Pour le reste, who took charge of the details. C'est Hor qui s'occupait des détails. Hor took care of the Phnom Penh sector Hor in every field. Du secteur de Phnom Penh dans tous les domaines, as well les as document reading. Ainsi que la lecture des Anything documents. That happened in the Phnom Penh sector would go Tout through ce qui Hor se passait dans le secteur before de it would Phnom Penh reach me. Allait à Hor, Hor avant he managed d'arriver all à mon daily niveau. Activities Hor at gérait toutes les activités quotidiennes à S21. Il était toujours that occupé. Was the truth. C'était la vérité. And, for simple combatants, Hor controlled pour les simples soldats, and could order torture. Hor contrôlait tout et pouvait ordonner Now pratiquer again, la will, torture. I will give you all the
the places where you can read those quotes. Je vais vous donner la référence de ces citations, mais avant de le faire, Monsieur le témoin, pouvez-vous réagir à cela? Est-ce là une description exacte de la division des tâches entre Hor et Duyk? President, Deputy, Co-Prosecutor, you may proceed. L'accusation a la parole. Yes, I don't understand. L'accusation, je ne comprends pas. Waiting until after the witness has answered the question. Et pourquoi attendre que le témoin réponde pour fournir les références et les URNs pour que toutes les parties puissent vérifier? Je pense qu'il doit le faire avant que le témoin ne réponde. It's just a lot of numbers, a little la défense, time, c'est and, beaucoup de numéros, et cela prend du temps. Just provide the numbers. Juge Vincent, right. Donnez la référence. E3/5748, English All those excerpts were read out and confirmed je l'ai dit, by Duyk. Il y a quelques mois, Duyk a confirmé tous ces extraits devant ce prétoire. You still recall what I just read out to you. J'espère que vous vous souvenez de ce que je vous ai lu. Duyk saying that Hor was cela responsible for the not so important prisoners. Ce que Duyk a dit, à savoir que Hor était responsable the daily in des prisonniers. Pas très important. Il contrôlait tout pour is les simples combattants et il s'occupait des activités quotidiennes de SNTR. Est-ce exact ou vous avez une vision différente? Je ne comprenais rien à ce sujet, je ne savais rien au sujet de la division des rôles et des tâches entre ces deux personnes. Duyk often came into contact with Hor, but I did not know what's going on between them. Prenait généralement contact avec Hor, mais je ne savais pas ce qui se passait entre eux. Fair enough, no problem. La défense. Let me move to my next subject. You mentioned another cadre working as 21 called Sri. Appelé Sri. Do you remember a person named Sri? Vous souvenez-vous d'une personne appelée Sri? Sri. I'm not quite sure if I pronounce it well. Je ne suis pas très sûr de ma prononciation. Sri was a party member. Réponse, Sri était un membre du parti. He was in charge of guarding the senior leadership. Il était chargé de la sécurité des personnalités importantes. He came to ask for the paper and for the camera, and he said that it was the photo. Order from Duyk, so I et gave those un ordre de Duyk. Instruments to him. Alors je lui ai remis ce matériel. So was he needing those cameras pourquoi for his tasks besoin de in relation to the important photo. Prisoners? Était-ce pour son travail concernant les personnalités importantes? Ou les prisonniers importants.
programa. Usually, I was the one who took photos and developed the negatives. Et développer les négatifs. I had no idea why he was sent in to ask for the paper to develop photos and the camera. On l'avait demandé. Perhaps on lui avait demandé de venir chercher le papier senior people who were brought in. Peut-être que des personnalités importantes avaient été amenées. Par moi-même, je ne prenais pas de photos de telle personnalité. Is it your assumption that he was the one taking supposez-vous que c'était lui qui prenait en photo les prisonniers importants? Autrement dit, il occupait vos fonctions, mais pour prendre en photo les prisonniers importants. Est-ce exact? Yes, I and my team member réponse never took photos of moi people with senior positions. Nous n'avons jamais pris en photo les personnalités importantes. Did you or your two team members, question, Song and Nit, et les deux autres membres de votre équipe, Song et Nit, avez-vous jamais pris en photo des prisonniers décédés? Yes. On some occasion, réponse oui, à certaines after occasions, those prisoners were beaten dead, and then we were asked to après que les prisonniers take ont photos, été frappés à mort, on nous a demandé they, de les prendre they en died photo. In the detention facility. Ils sont morts au centre de détention. I have some questions about that, but I will skip them because of time. La défense, j'ai des questions à ce sujet, mais je vais laisser passer pour des raisons de temps. Monsieur le témoin, avez-vous jamais pris en photo military prisoners? Des prisonniers qui étaient des soldats yes, vietnamiens. I took their photos. Réponse oui. What is it that you recall about taking question. Those photos? Were they soldiers? Sujet were de they ces photos. Officers? Vous souvenez-vous si c'était des soldats, des officiers? What kind of soldiers they were? Quel type de soldats étaient-ils? Those who were brought in wore réponse. Vietnamese clothes. Ceux qui ont été amenés portaient des vêtements vietnamiens. I took their photos half the upper half of their body just like normal prisoners. J'ai pris en photo en mode portrait comme c'est le cas pour les prisonniers normaux. Were there ever instances that, question, y a-t-il eu des cas people who were not really Vietnamese soldiers, ou des personnes qui n'étaient pas véritablement des soldats were forced vietnamiens to wear a Vietnamese uniform, or did ont that été never forcés happen? À porter des uniformes vietnamiens. Ou cela ne s'est-il jamais produit? I did not know. Réponse, je ne sais pas. Let me skip some other subjects as well and let me ask you some final questions. Pour vous poser une dernière question. You identified, ce matin, the house where vous avez identifié you, Song, la maison and où vous, Song, were living and where you were vivez. Using the dark room to develop the negatives. Où vous serviez de la chambre noire pour développer les négatifs. House, vous avez dit que cette maison était proche de celle de Street 348, excuse me. À la rue 348, à 50 ou 70 mètres de celle de Duyck, vers le nord-ouest. The Beehive radio station, vous souvenez-vous d'une close maison by, connue 360, sous le nom de station Beehive, près de la rue 360, do you know any, où les prisonniers qui avaient des droits building? Étaient réunis. Vous souvenez-vous d'un tel bâtiment? In August, I went there. Réponse, but j'y suis allé en août. Cannot recognize it. Mais je ne peux pas le reconnaître. That it was close to the sewage canal, but now the landscape changed dramatically. Mais maintenant, le paysage a beaucoup changé. August, you mean August? La défense. Vous parlez d'août de cette année, le mois dernier?
The interpreter cannot hear. Réponse, l'interprète n'arrive pas à entendre le témoin. When I went there, the landscape changed completely. So many houses now. À présent, il y a tellement de maisons. Indeed, but my la question défense, was when you went to the Beehive radio station la suivante, lorsque vous êtes allé à la rue 360 à la station de radio was Beehive, that in August of this était-ce year? En août de cette année, so last month, à savoir le mois dernier. I went there réponse. With historians. Yes, it was in 2016. Réponse oui, c'était en 2016. He asked me to go with him to tell him about the the location. De l'accompagner pour lui montrer l'endroit. That's very interesting, Mr. Witness. Did la défense, you très intéressant. In August also visit en that août, house that you recognized vous this êtes-vous morning? Également rendu à la maison que vous avez reconnue ce matin, the house where à la rue 348, you, Song and Nit were staying. Was la that maison still in the same condition? Où vous habitiez avec Song et Nit, cette maison est-elle toujours dans le même état? Réponse, non. Elle a changé. I see, with great regret, la défense, Mr. avec beaucoup de regret, my half hour is Monsieur le so Président, je vois que that. Ma Thank demi-heure you. Est terminée. Je vais m'en arrêter là. Thank you, Mr. Je vous remercie. Witness. Merci, Monsieur le témoin. President, le Président, thank you, counsel. Merci, Maître. Next, before the chamber give the floor to the defense, to the co-prosecutor, to la parole, ask the witness, pour poser des questions au témoin. The chamber would like to get la chambre observation and submission from party regarding the witness to TCW 1065. That was the in document E319/43.3.9.11. On 13 September 2016, the chamber informed the party by email par votre courriel about its consideration of the calling of additional witness to TCW 1065 related to the armed conflict. And we would like to invite party to give observation and submission on this issue. And now I give the floor to the deputy co-prosecutor. Yes, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. We took a look at the WRIs of nous that proposed examiné witness, le PV and d'audition. We, in our view, it seems du to témoin. Be a significant witness, en notre avis, c'est un témoin important. Position on which he can speak to a number of issues, not only the armed d'après conflict, ses fonctions, but il peut parler also, non seulement du conflit armé, mais également des purges dans la zone est, et nous dire exactement ce qui s'est passé dans cette région, entre autres sujets. Nous pensons donc que c'est un bon témoin à retenir et qui devait être cité à comparaître. President, thank you. Le and président, the floor is given to les co-avocats principaux pour civil les parties civiles ont la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank nous you, nous Mr. en President. À l'appréciation de la Chambre. We will rely on the court's discretion. Le Président. President, the floor la is défense given to the de defense Nunchia. Maître Coppin, with your leave, Mr. President, si vous m'y autorisez, the je pense que la défense de Kyo Sampan a un avis leave, bien marqué first, sur la question. Nous aimerions intervenir seulement après cette équipe-là. President, le Président, Defense Council, défense de Kyo Sampan, you may have the floor. Je remercie Monsieur le Président de me donner la parole. Thank you, Mr. President, for having given me the floor. Je dois dire que nous arrivons à un stade où, puisque nous sommes amenés à faire des observations sur cette décision
de faire venir ce témoin TCW 1065 de la Chambre. Nous arrivons à un moment où nous avons, du côté de la défense de Kyusampan, un profond malaise. From the perspective of the Kyusampan defense, and I will explain why. And when I say we are very ill at ease, because I'm trying to find the right words at this stage of the discussion, historique s'impose sur ce témoin en particulier. In particular about this witness, there is some background. Soit à peu près il y a six mois, trois PV ont été communiqués par l'accusation. Dans le cadre des obligations de communication dites à décharge. Je mets bien à décharge entre guillemets. Ça faisait suite à la décision que vous avez rendue dans cette affaire sur laquelle il y avait une limitation des communications. Pas plus tard que le 4 août dernier, nous avons eu ce débat sur la question du statut de ces éléments qui étaient communiqués. Later, et we had an update on the status. Du côté de la défense de Kyusampan, nous avions indiqué que nous estimions que nous devions pouvoir répondre, au moins savoir si les communications répondaient aux critères qui avaient été fixés par la Chambre sur ce qui devait être communiqué comme étant à décharge. Il avait été répondu par la Chambre, par le biais de M. le juge Lavergne, que il n'y avait pas de préjudice puisque ces documents étaient dans le shared drive matériel et que ce n'était pas des éléments qui étaient versés au dossier. À l'époque, je recherchais le nom du témoin que j'ai retrouvé depuis. La Chambre avait proprio mutu également sur des communications qui avaient été faites d'éléments des dossiers 3 et 4 par l'accusation. La Chambre avait proprio mutu aussi décidé d'appeler Muyven. Nous sommes dans le même cas de figure, à savoir qu'il y a six mois, des communications entre guillemets à décharge ont été faites par l'accusation, ni l'accusation qui semble aujourd'hui changer de son de cloche, ni les avocats des accusés n'ont estimé que c'était des éléments qui étaient... Can you please slow down a bit in English? Okay. I think the English translation has a bit of a problem in catching up. Je vais essayer d'aller plus I'll try to go lentement. A bit more slowly. Donc, de la même façon que pour Muyvani, nous retrouvons un témoin qui avait été identifié normalement à décharge par l'accusation, et c'est pour ça qu'il nous aurait communiqué les PV de ce témoin. Que ni eux n'avaient jugé utile de faire du 87-4, ni pour rentrer les déclarations de ce témoin en preuve, ni pour l'appeler comme témoin. Aujourd'hui, je constate donc qu'il y a un changement de son cloche du côté de l'accusation. Mais nous qui étions censés trouver ça à décharge, aucune équipe de défense n'a estimé que c'était utile de le faire. La Chambre décide, en tout cas à l'air, de vouloir le faire venir, dont acte. Seulement, là, nous arrivons à un stade particulier de la procédure. So now we're coming to a very specific stage of the procedure. Une décision du 30 juin 2016, enfin en tout cas une liste du 30 juin 2016, la Chambre, qui avait donc eu également ces trois PV depuis mars 2016, la Chambre n'avait pas jugé utile de mettre ce témoin sur sa liste des gens qu'elle entendait entendre sur le segment du conflit armé. Ce n'est que le 13 septembre, donc. Il y a deux jours que nous avons un mail, nous indiquant que vous envisagez proprio de faire venir ce témoin sur la base d'un document E319-43.9-11, qui est donc le document de communication dont la Chambre avait rappelé à l'audience de mise en état que ce n'était pas des éléments qui étaient versés au dossier. Donc la Chambre va chercher des éléments qui sont extérieurs au dossier, qui viennent des instructions 3 et 4, qu'aucune des parties n'avait demandé, et nous sommes aujourd'hui, le 15 septembre 2016, à quelques semaines de la fin de ce procès. Alors, la première observation que j'ai, puisqu'on nous demande du côté de la défense nos observations face à cette décision
qu'envisage de prendre la Chambre si cette décision n'est pas déjà prise. Hein. Et bien la première observation que nous avons du côté de l'équipe de Que s'en pense est de dire que nous avons un vrai problème d'insécurité juridique dans ce procès. C'est-à-dire que au 15 septembre 2016, alors qu'il y a eu une instruction qui s'est déroulée pendant presque trois ans. Nous avons une ordonnance de clôture depuis 2010, nous sommes en 2016 et nous annonce un témoin qui n'avait été demandé par personne. Alors, qu'on soit bien clair, j'entends bien que les règles de cette Chambre permettent l'introduction d'éléments nouveaux si on estime que c'est utile et fondamental. On peut effectivement, et c'est le principe des 87.4, etc., introduire des éléments nouveaux. Mais n'oublions pas quand même que nous sommes devant une juridiction où il y a eu une instruction. Et n'oublions pas que cet élément nouveau vient d'une communication qui n'était pas censée être au dossier puisque c'est ce qu'on nous avait rappelé à l'audience de mise en état. That's what was said at the group management meeting. Que nous sommes le 15 septembre 2016. Alors la Chambre, oui, elle peut introduire des éléments nouveaux, mais la manière dont ces éléments nouveaux sont entrés depuis ces derniers mois systématiquement dans le cadre de notre procès pose problème. Nous pourrons faire à l'issue de la preuve le petit pourcentage de ce qui était des témoins et des documents qui étaient dans le procès 02-2 et le pourcentage de ce qui est venu des autres instructions et le quantum est absolument affolant. Alors j'entends bien qu'il y a possibilité d'avoir des éléments nouveaux. Mais je rappelle, et là je suis obligée de chercher sur mon ordinateur parce que je n'avais pas le temps d'imprimer, un petit retour en arrière. Dans votre décision, fixé au 1er septembre les derniers 87.4 que l'accusation doit pouvoir faire dans le cadre de ce procès. Vous dites, et c'est votre décision E319/4/7/3 et c'est au paragraphe 23 que je suis obligée de citer en anglais parce que je n'ai pas de traduction française. Voilà ce que vous dites, c'est vous qui le dites. In any case, en tout état de cause, as the chamber approaches the close of evidence au moment in case où s'approche la fin de l'examen de la preuve dans 00-22, come a point il faut when the arriver parties à un can point rely où les parties upon the evidentiary record that has been established throughout the investigation and trials in this case. De l'instruction et du procès that additional evidence la valeur des éléments supplémentaires pour la manifestation de la vérité doit être évaluée par rapport à l'incertitude découlant du fait d'autoriser l'admission en preuve d'un grand nombre d'éléments de preuve peu avant la fin des débats alors que d'autres parties n'ont peut-être pas suffisamment la possibilité d'apprécier ces informations et d'y réagir. C'est ce que vous dites. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que ce que vous avez dit en juin 2016, en disant vraiment, il faut faire attention à la preuve qu'on amène, nous, quand nous avons lu cette décision, on se disait, enfin, ce que nous dénoncions depuis le début de ces admissions en preuve en masse de documents qui ne viennent pas de l'instruction 02-2, qui viennent d'instructions extérieures sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Enfin, nous nous disions, la Chambre a compris le problème que nous soulevons. Et là, je constate qu'aujourd'hui, non seulement la Chambre n'a pas compris, mais qu'elle contribue encore plus à cette incertitude juridique, puisqu'elle nous demande à quelques semaines, encore une fois, de la fin du procès, d'entendre un témoin qui n'avait été demandé par personne, alors que depuis mars 2016, un témoin qui n'avait été demandé par personne, alors que depuis mars 2016, puisque c'est la Chambre qui nous a mis les PV à disposition, la Chambre en avait connaissance, les coprocureurs qui ont fait cette communication en avaient connaissance et n'ont pas voulu faire du 84, et les parties du côté des accusés pour lesquels on communiquait ces éléments qui étaient censés être à décharge, n'ont non seulement trouvé pas d'éléments à décharge, mais non plus demandé à ce que ni ce témoin comparaisse, ni que ces déclarations soient versées en preuve.
Donc moi, voilà le contexte dans lequel j'interviens aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis, si vous me demandez mes observations, eh bien non. Du côté de la défense de Pierre Sampan, nous ne sommes pas pour appeler à ce stade-ci un témoin qui vient, alors qu'il y a d'autres témoins qui viennent de 02-2 qui parlent du conflit, alors que nous avons demandé, nous, par exemple, du côté de l'accusation de la défense, le témoin TCE 87, si je ne m'abuse, 87, I believe. Récemment, et que nous avons recently, encore une fois redemandé again, sa comparution et qu'a priori, il n'y a pas de demande, mais des éléments de 02-2 sur lesquels les parties demandent une comparution, ça 002, ne se prononce pas, mais on va chercher quelqu'un qui vient d'un procès complètement extérieur et que aucune des parties n'avait demandé auparavant. Donc là, moi, je pense qu'il y a un vrai malaise sur la manière dont le procès est mené et organisé par rapport à la préparation de la défense, par rapport aussi à ce que ça veut dire sur de quelle preuve et à quelle preuve on doit répondre et de quelle charge exacte en fonction d'une ordonnance de clôture, encore une fois, qui a été rendue depuis 2010, sur quel pied on danse. Nous sommes dans cette difficulté du côté de la défense de Kyo Sampan. Alors oui, a challenge here from the side of Kyo Sampan's defense. Nous sommes dans cette situation et je ne peux pas vous dire que nous avons une grande illusion sur ce que vous allez rendre. Si vous nous demandez des observations, c'est que, en gros, la décision est déjà à moitié prise. Alors si la décision est à moitié prise, maintenant, je ne peux que rappeler ce que nous estimons être un vrai problème d'insécurité juridique, ce que nous estimons être une introduction plus que tardive d'éléments extérieurs au procès 02-2 au départ. Et nous demandons si la Chambre doit appeler ce témoin, encore une fois, un choix qui nous sera à ce moment-là imposé, eh bien nous demandons d'avoir la possibilité, la faculté, du temps pour préparer ce témoin. Et quand je dis du temps, je suis obligée, parce que nous sommes en audience publique, de rappeler que c'est important de rappeler dans quelles conditions nous travaillons chaque jour, dans quelles conditions nous devons à chaque fois nous adapter, comment il faut réorganiser le travail, comment les plans ne tiennent jamais parce qu'on a donné tel travail à telle partie avec des consultants qui sont en nombre limité, et bien quand vous introduisez de la preuve nouvelle, ça veut dire une nouvelle préparation, ça veut dire que ce qui n'avait été organisé, et bien c'est désorganisé, et ça veut dire que ce temps-là qui nous permettait, qui nous aurait dû normalement nous permettre de travailler sur les conclusions finales par exemple, et bien c'est un temps qu'on est obligé d'utiliser à nous réadapter chaque jour sur de la preuve nouvelle. Ce n'est pas normal, ce n'est encore moins normal dans le cadre d'un procès où il y a une instruction, et c'est d'autant moins normal le 15 septembre 2016. Donc, si vous entendez appeler ce témoin, et je pense que la décision est déjà prise, nous verrons, mais non seulement du temps pour le préparer, en plus, et là je renvoie à la dernière requête que nous avons déposée, nous voulons les audios qui sous-tendent CPV, puisque c'est aussi un moyen de contrôler la fiabilité et la crédibilité du témoin. Et également, puisque on est dans un renouvellement incessant de la preuve dans ce dossier, que l'on puisse savoir une fois pour toutes, est-ce que c'est le dernier témoin que l'on va nous amener de façon surprise sur la liste des témoins qui doivent comparaître dans le procès 02. Et je terminerai en disant ce sont des éléments que je tiens à rappeler parce que c'est quelque chose que nous dénonçons depuis le début de l'introduction massive en preuve de ces éléments qui viennent de procès 3-4. Nous préparons le procès en même temps que nous faisons le procès. C'est-à-dire que l'instruction qui est la base de la préparation de ce procès, elle se fait en même temps que le procès 02-2, sauf que c'est une instruction à laquelle nous ne faisons pas partie. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je sais que le temps est compté, donc je m'arrêterai là. Simplement, si la Chambre entend faire venir ce nouveau témoin, alors, encore une fois, qu'il était connu au moins des autres parties, parce que le procureur le connaît depuis 2012. Mais si la Chambre entend, il nous faut du temps pour préparer les audios qui correspondent et que la Chambre tire les conséquences de cette introduction massive de preuves nouvelles lorsqu'il s'agira de discuter des conditions dans lesquelles nous allons faire nos conclusions finales. C'était un point que je tenais à marquer vraiment
de façon importante et symbolique, parce que là, so this is both very important and very symbolic, les dernières décisions qui ont été rendues par la Chambre, la masse de témoins qui viennent de l'instruction 3-4, pose véritablement un malaise au point de vue juridique. We need to accept that this is very uncomfortable from a legal perspective. Thank you. Le président, la défense de Nuncia, je vous en prie. Yes, thank you. Maître Coppe. Merci, Monsieur le Président. I believe it might be useful, peut-être n'est-il pas inutile de donner des éléments de contexte of who this witness was or concernant is, l'identité whom we're talking de about. Ce témoin en question. It is, apparently, apparemment, a distant, il s'agit rather distant family member d'un parent assez Isom, éloigné leader, Sao Pim, de Sao Pim, chef de la zone Est, and, apparently a medic et apparemment il s'agit hospital, de quelqu'un qui était infirmier à un hôpital appartenant Division 4. Was an important military division à la division 4 de la zone Est. Cette division 4 était une division importante dans la zone Est. Elle était dirigée par une personne que chacun connaît ici, à savoir Heng Samrin. As the chamber is aware, comme we le have a sait la Chambre, position as to, notre position est différente concernant la convocation de témoins des dossiers 3 ou 4. Fréquemment, nous nous... This particular person nous coming. Sollicitons nous-mêmes des témoins de ce type. Donc, il n'y a pas de problème s'il s'agit de convoquer des témoins saying, importants. Est-ce que c'est un témoin important comme le prétend l'accusation? Nous pensons que non. WRI, en effet, nous avons lu ses PV d'audition. Really, ce témoin, apparemment, n'est guère en mesure de répondre à certaines questions concernant des événements importants intervenus en mai 78 et auparavant dans la zone Est. He is apparently, apparemment, cette personne, in the view of the chamber, de l'avis de la Chambre, someone who is going to be testifying about, est quelqu'un qui sera entendu the armed conflict. Concernant I'm not quite sure le conflit armé. Could also testify about, je ne sais pas s'il est prévu qu'il parle aussi de la question des purges dans la zone Est. That I'm not sure about, but je n'en sais trop rien, I suspect he can. Mais je soupçonne que c'est effectivement le cas. The bigger problem, of course, is bien that, sûr, il y a un problème plus important. Je m'explique. He is, cette personne, to put it colloquially, pour completely parler small en termes familiers, to the people c'est that are really important, de la and who should come piétaille to par rapport aux gens véritablement importants qui devraient être entendus ici. If it's all right with you, Mr. President, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais renvoyer la Chambre à un ou deux paragraphes très intéressants de l'avis minoritaire rendu par une personne qui, selon nous, est un des juges les plus respectables dans le domaine du droit pénal international. C'est un juge belge, Van den Heygaard, dans son avis minoritaire dans l'affaire Katanga. Il a dit différentes choses concernant le problème qui se pose, à savoir le problème des éléments de preuve manquants. Ces preuves manquantes, en l'espèce, comme nous le savons tous, représentent quelque chose d'extrêmement important. Et au paragraphe 148 de son opinion minoritaire, je vais citer, l'absence complète de preuves émanant des personnes qui étaient réellement au centre des événements à l'époque, crée inévitablement l'impression que les informations essentielles font défaut. Des conclusions tirées en s'appuyant sur des éléments de preuve incomplets sont intrinsèquement fragiles et incertains et ne sauraient suffire à prononcer une décision. On so many occasions, we have requested this chamber
to summons au-delà du doute raisonnable. Nous avons déjà demandé que soient convoqués les témoins principaux concernant les événements de la zone Est par rapport au conflit armé. Nous avons demandé à maintes reprises à la Chambre de convoquer Heng Samrin, le Premier ministre Hun Sen, Aung Bun Chun, Paul Sarun, Pen Sovan. Ce sont les gens qui comptent vraiment et qui devraient être entendus sur les événements en question dont nous parlons aujourd'hui et dont nous avons parlé hier, ainsi que ces neuf dernières années. Il nous est demandé de faire des observations à présent sur ce neveu de Sao Pim qui pourrait dire quelque chose. S'il vient, très bien. S'il ne vient pas, pas de problème. Ce qui compte vraiment, Monsieur le Président, c'est que les témoins que je viens de citer viennent ici même et soient entendus. Le président, juge Lavergne. Oui, Maître Guisset, c'est une question qui vous adressez, dont bien entendu, nous avons entendu vos objections, mais nous avons dit également que, cas échéant, vous auriez besoin de plus de temps. Ça va dépendre du moment où nous obtenons les cassettes audio en lien avec ce que dit Monsieur Lavergne, puisque comme vous l'indiquez, nous avons, enfin, je n'ai plus le numéro de la requête que nous avons déposé récemment, mais nous avons appris récemment qu'il y avait des audios sous-tendant toutes ces déclarations. Donc, à partir de ce moment-là, en sachant quelle est la durée de ces audios, nous pourrons évaluer. Là, pour le moment, je ne peux pas vous dire le temps qui serait utile. How much time we would need. Le président, l'accusation a la parole. Thank you, merci, Mr. President. Monsieur le Président. I was brief because I'm rather surprised at what I've heard from across the aisle here. Je suis assez surpris parce que j'ai entendu de la part de la partie adverse. Nous venons d'entendre des choses assez incroyables. Premièrement, on nous dit que cette personne n'est pas importante. Nous venons d'entendre une déformation complète de la position de cette personne. Ce n'était pas un infirmier d'hôpital. C'était en fait le président de l'hôpital du régiment. Le 25 mai 78, quand les autres grands dirigeants de la zone Est ont été victimes de purges, lui a été promu et est devenu chef de régiment. Je n'arrive absolument pas à comprendre que quelqu'un puisse dire que cette personne n'était pas importante. Ces PV d'audition sont éloquents. Et j'imagine que c'est ça qui a capté l'attention de la Chambre. On se plaint par rapport à la communication de ces PV d'audition. Ils ont été communiqués parce qu'ils portent sur différentes personnes importantes de la zone Est, dont la défense affirme que c'est un aspect essentiel de ce qui l'intéresse. C'est pour ça que ces pièces ont été communiquées, et je suis surpris que la défense de Nunchéen accepte la convocation de ce témoin. J'imagine que c'est pour en profiter pour en faire venir d'autres. Plus important encore, la défense de Kyu Sampan s'est plainte et a chapitré la Chambre au motif qu'elle aurait eu le culot de dire qu'elle voulait entendre un témoin. Ça me semble incroyable. Il s'agit là d'une chambre de première instance qui fonctionne sur la base d'actes d'investigation. C'est une recherche de la vérité. Si les juges estiment que ce témoin contribuera à la manifestation de la vérité, alors il devrait être cité à comparaître.
procedural objections. Nous avons entendu de vagues objections maladroites et procédurales de la part de Kyo Sampan. There can certainly be enough time for people to prepare. We're talking about Il y a assez de temps pour se préparer. Nous parlons ici d'un témoin. A few not that long interviews. Avec quelques PV d'audition pas très longs. Donc, this is not a scenario in which you are calling ce n'est pas un cas de figure où la Chambre convoquerait quelqu'un pour demain. Ça, ce serait nuisible, effectivement. Mais je suis sûr que si la Chambre décide de convoquer la personne, elle laissera du temps aux parties pour se préparer. Your honors have a duty here, la Chambre not to a une obligation, box yourself into an investigation celle that was conducted quite a few years de ago, ne pas se confiner à une instruction qui a eu lieu il y a quelques années. Quand de nouveaux témoins apparaissent, la Chambre doit saisir l'occasion. Et s'il estime que ces témoins contribuent à la manifestation de la vérité, ce qui nous semble être le cas, alors il faut citer le témoin en question. Encore nous brillons. Le président. Thank you, merci à l'accusation. La Chambre remercie toutes les parties pour leurs observations. Je constate que la défense de Kyo Sampan se manifeste. Please be brief. Maître, veuillez être concise. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, simplement thank you, Mr. pour deux observations pour répondre à l'accusation. Premièrement, si vous estimez que ce témoin first, était si important, vous avez la possibilité de faire une 87-4 et de demander sa comparution. Ils ne l'ont pas fait. Donc, à croire que du côté de l'accusation, en tout cas, ce n'était pas si important. Et deuxièmement, ce que j'ai dit aujourd'hui et que je répète depuis un bon moment n'est absolument pas nouveau. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que nous sommes le 15 septembre 2016. Le président. Merci, maître. Thank you, counsel. And the chamber la Chambre the remercie for, les parties pour leurs observations. Observation la Chambre s'appuiera sur ces dernières pour se prononcer. Allow to hand the floor to the la parole est à présent donnée à l'accusation qui pourra interroger the witness le témoin. And the combined time for the prosecutors Au total, and the lawyers, l'accusation et les co-avocats principaux disposent de deux sessions. Thank you, Mr. President. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Mr. Witness. Bon après-midi, Monsieur le Témoin. I want to start just with some quick follow-up Tout d'abord, on quelques rapides questions de suivi before, concernant votre passé. Being assigned to S21. Avant d'être affecté à S21. You testified that you were initially assigned vous avez dit, to be a dans un premier temps, photographer while you were in Division 703. À la Division 703. And what I don't understand is what was the purpose of people being photographers in a military division des like 703? De division militaire comme what 703. Is it that you were assigned to photograph while you were in chargé division de 703? Prendre des photos? Pourquoi avez-vous été chargé de prendre des photos à la division 703? Allow me to réponse. Be a bit in detail regarding this point. Laissez-moi vous fournir des détails. I was disabled because I was wounded and I J'étais was sent to blessé hospital. Et envoyé I à l'hôpital. I was treated. Je n'ai pas aimé la façon dont j'ai été soigné. Since we were discriminated by Comme the unit that nous we were in, victimes for de discrimination the 50 en fonction unit was given different food de notre unité, from the par exemple, l'unité des 50 hommes recevait une nourriture différente de l'unité des 100 hommes. And after I, et donc, could, walk, une fois que j'ai été en mesure de marcher, the common dining hall, je suis allé à la cantine collective. Some wounded people say they asked Des for salt blessés because, ont demandé du sel the soup was a bit plain, parce but que la soupe était refused. Fade, mais cela leur a été and refusé. I became angry Moi, that we je me were suis fâché all fighting at parce que the front, nous avions tous combattu sur le front. So comment donc pouvait-on être victime de discrimination with, good food? Les autres tables mangeaient bien. So my feeling was known to Et others les autres savaient ce que about, je ressentais.
An hour later, Moon alias Rutte came. Une heure plus tard, Moon alias Rutte est arrivé. And he sent his messenger to fetch me to see him at his house. Il est Il a envoyé son messager me chercher pour aller le rencontrer chez lui. Il m'a dit de faire attention. Il a dit que je risquerais de recevoir une piqûre qui me tuerait. L'après-midi, quand un infirmier est venu me faire une injection, j'ai refusé. J'ai dit à l'infirmier, demain, je quitte mes fonctions. And that was the day that I left the hospital, and it c'est was ainsi que j'ai quitté incidentally l'hôpital. The day that Phnom Penh et failed. Il se trouve que c'était aussi le jour de la chute de Phnom Penh. And I met him at the provincial town hall. Je l'ai rencontré of, au siège des autorités provinciales de Kandal. I was called to j'ai été him. Convoqué à une réunion. And he asked me to seize some vehicles il m'a demandé and motorbikes, de saisir des véhicules, des motocyclettes. Faisant partie du butin de guerre. And after that, et he par la suite, me along through il m'a emmené Tanat's location. Vers l'endroit où se trouvait Tanat. And Tanat assigned me celui-ci to be a photographer m'a at désigné Division photographe 703, à la Division 703 that day onward. À compter de ce moment. L'accusation. I understand that it was because you were injured, je comprends que c'est parce que you were, vous avez été ended blessé up in this position. What I don't understand is why did Division 703 need photographers? La Division 703 what is it that you were to photograph when you were in Division 703? Que deviez-vous photographier lorsque vous étiez à la Division 703? I did not know the reason behind that. Réponse. J'en ignore les raisons. I saw many cameras there. J'y ai vu de nombreux camarades. And they told me that I needed to use those cameras to take photos to keep us archives. Ils m'ont dit que je devais prendre did des photos. Did you ever take any photographs before you were assigned to question. S21? Avez-vous pris des photos avant d'être affecté à S21. At that time, I did not yet possess all the photography skills. À l'époque, je n'avais pas encore toutes les compétences en photographie. Initially, they recruited six of us, au départ, and later on, three of them among us were sent to study in China, par la suite, while the other three, including me, remained. En Chine, tandis que les trois autres, dont moi, sommes restés and, en arrière. We find people in the locality to help us interpret nous the language. Nous trouver des gens dans la localité how to qui nous operate ont aidé camera. À interpréter. Well, let me ask you something about your training la langue to become a photographer. Pour voir comment utiliser you say les caméras. In your OCIJ passons interview à votre E3, formation. Vous avez 7639, dit dans E3, 7639, English 00162732, I never went to study in China. Je ne suis jamais allé étudier en Chine. I studied on the job from colleagues. J'ai étudié sur le tas auprès des collègues. Fin de citation. Who were the colleagues who taught you to be a photographer? Qui vous ont enseigné la photographie? At that time. Réponse. Taking photo. À l'époque, was an easy job, but the difficult task was developing the negatives. C'est le développement des négatifs qui était le plus dur. So, at that time, we sought help from the photographers of the old regime who were evicted from Phnom Penh to the rural areas. Qui avaient été évacués de Phnom Penh vers les campagnes. Help from them. Nous leur avons demandé de l'aide. And how did you find those question. People? Comment avez-vous trouvé ces personnes?
We met them réponse. Through Tanat. On les a rencontrés Tanat was the par commander of the Tanat, division. Le commandant de la division. And we sought help through him to c'est à travers lui find people que who nous could leur avons translate demandé de l'aide the foreign language pour trouver des gens on how to use the camera. Qui pouvaient interpréter cette langue étrangère et nous montrer comment utiliser and les appareils photo. Learned, question. To develop, c'est from reading the manuals, comme cela que that vous came avez appris with the cameras in the foreign language, le développement des photos en, those en lisant for you? Les manuels qui venaient avec ces appareils photo. Les manuels d'utilisation utilisés, rédigés en langue étrangère. Et ces personnes vous ont aidé à interpréter ces manuels. At that time, I started developing the photos. At the time when I was learning, I was also réponse. Practicing. They je me translated it for me, and I started to practice it, and we ils achieved ils good results. Ils ont traduit le manuel pour moi, et nous avons commencé à l'utiliser, et nous avons obtenu de and bons résultats. And I also learned how to develop the negative j'ai picture. J'ai également appris comment développer des négatifs. Based on my real practice. D'après ma pratique sur le terrain. L'accusation, Monsieur le Président, je vais passer à un autre sujet. Peut-être est-ce un moment opportun pour la pause. President, thank you, Deputy Co-Prosecutor. Merci, the chamber will take a 20-minute break from now. The court la Chambre va observer une pause de 20 minutes. L'audience est suspendue.